les plus belles chansons du monde. Les plus belles chansons du monde, une émission de Soumaoro Alpha Yaya sur Cocody FM 98.5. C'est chaque dimanche à 21h sur Cocody FM. Bonsoir à tous, vous êtes bien sûr Cocody FM. Ensemble, nous allons vivre ou revivre des moments pathétiques qui ont marqué notre vie. Des moments de souvenirs et de bonheur grâce à la magie des ondes et avec les meilleures chansons du monde. À ce microphone, votre serviteur Soumaoro Alpha Yaya, aux manettes techniques de DJ Yao. Travailler, c'est trop dur et voler, c'est pas bon. Il ne faut pas demander la charité. Aux jeunes qui nous écoutent présentement, travaillez, prenez de la peine, creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Jean de La Fontaine,
Boula, le boulevard de la connaissance culturelle en Côte d'Ivoire, bonsoir. Bonsoir, c'est beaucoup de compliments, cher Koro, comme j'aime t'appeler affectueusement, Soumaoro Alpha Yaya. Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de la FM de rêve en ce moment, Cocody FM, la 98.5. Ijijande, okanake, jugu sagoye.
Voilà, Igiga, Igiga, pour les malinqués qui comprennent, il faut persévérer, il faut se battre. Vous avez compris, amis auditeurs, nous vivons la soirée spéciale reggae pour la première partie de cette émission. À présent, nous allons faire connaissance avec Seydou Kone, alias Alpha Blondy. Seydou Kone naît à Dimokro le 1er janvier 1953. Fils aîné d'une famille de 8 enfants, Alpha Blondy a été élevé par sa grand-mère dans un milieu qui va avoir un grand impact sur sa carrière. En 1973, Seydou Kone s'installe à Monrovia, capitale du Libéria. Il y reste 13 mois, prenant des cours pour maîtriser l'anglais et donnant des leçons de français. Il retourne en Côte d'Ivoire, puis en 1976, il part pour New York aux États-Unis d'Amérique. Il rencontre le Jamaïcain Clive Hunt qui lui présente The Sylvester, un groupe formé par une famille dominicaine qui joue régulièrement dans les petites salles de New York. En 1981, Roger Fulgence Cassi lui propose de passer dans l'émission qu'il présente à la télévision ivoirienne Première Chance. Les deux hommes se connaissent de longue date. Adolescents, ils se retrouvaient en effet à Abidjan pendant les grandes vacances. Devant l'engouement suscité par le passage à la télévision, George Taï Benson propose au chanteur de produire son premier album. Ce sera Ja Glory, qui sort en 1982. Sur l'album, Benson George hésite à faire figurer le titre Brigadier Sabari. Ironie du sort, c'est cette chanson dont l'intitulé peut se traduire par la supplication « Brigadier Pitié » dénonce les violences dont la police est coutumière. Le titre fait un tabac en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest africaine. Brigadier Sabari fait connaître Alpha Blondy du Jagger en Europe. Depuis lors, Alpha Blondy connaît un succès musical planétaire. Tere tere tere
nechiki peterele ye. Nyatenzo ya maseki na fagama, nindoni mogo minga siraswa, neye ya fanema. Voilà, donc vous avez bien compris, la première heure de cette émission est dédiée à la musique reggae. Nous allons, Magis Boula, découvrir ou redécouvrir les succès d'Alpha Blondie. Et vous imaginez? Ben, Alpha Blondie, nous ne pouvons, comme je l'ai dit d'entrée, nous ne pouvons pas parler d'Alpha Blondie en deux heures de temps. Nous ne pouvons pas parler de Kone Seydou encore moins. Who can heal me? Can you heal me now? Who can heal me? Please help me, Lord. Who can heal me? Can you heal me now? Who can heal me? Please help me, Lord. I've been visions of my mind. Heal me. Can you heal me now? Who can heal me? Please help me, Lord. Jah is above us. Jah is below. And he shall be there for eternity of eternity. Cocody, nous y sommes. Abidjan nous écoute. La Côte d'Ivoire nous connaît. Le reste du monde nous attend. Bonsoir. On vous écoute, chers frères, depuis la France. Ouais, en fait, c'est pour faire coucou à des amis très chers à moi, Moses Dienko, Aziz Boula, qui collabore actuellement sur votre chaîne. Donc j'ai pu me renseigner et puis appeler juste pour leur et vous dire courage. Merci beaucoup. Et actuellement l'été, la chaleur c'est supportable.
Ah non, on ne supporte pas du tout. Hein. Ah oui, pas du tout, c'est la canicule, hein. C'est la canicule, comme on dit. Ah, il fait très chaud en ce moment. Très bien, ben écoutez, en tout cas, merci de nous avoir appelés. À tout moment, vous pouvez intervenir, l'antenne est à vous. Voilà, au moment où nous écoutons cette belle chanson d'Alpha Blondy dédiée à notre maman Thérèse Houphouët-Boigny, je voudrais profiter de cette antenne pour rendre aussi hommage à notre ministre en charge de la communication, le ministre Amadou Coulibaly. Je le sais, je peux le témoigner, c'est un mordu, un fervent défenseur de la cause reggae. Il adore le reggae, Magis Boula. Je suis très heureux de l'apprendre, moi c'est une information que je viens d'avoir. Oui. On est nombreux comme ça à aimer le reggae depuis notre temps de jeunesse. Don't worry.
nous avons entamé la deuxième partie, n'est-ce pas, dédiée à la musique reggae avec le pape de la musique reggae, Magis Boula. D'autant plus que le rastafarisme est vu comme une religion par les rastas de cette planète. Il est le pape vraiment du rastafarisme. Non, femme, ne pleure pas. Non, femme, ne pleure pas. No woman, no cry. Je me rappelle du temps où nous nous asseyions dans la cour du gouvernement à Trenchtown. Observant tous les hypocrites qui voulaient se mêler aux gens bien qu'ils rencontraient. De bons amis, nous en avons perdu sur le chemin dans ce brillant futur. Tu peux oublier ton passé, alors je te dis de sécher tes larmes et non, femme, ne pleure pas. Oh, ma petite chérie, ne verse pas de larmes. Nous avons Moses Dienko, l'un de nos collaborateurs, j'allais dire l'un de nos consultants, un sachant qui est très balèze aussi en matière de musique, de connaissances. Moses est du côté de Bassam. Bonsoir Moses. Bonsoir. On est à l'écoute de cette émission qui maintenant cristallise toutes les attentions depuis trois semaines sur Cocody FM. Je suis très heureux de collaborer avec le grand frère Alpha Soumaoro Yaya et Magis Boula Mej. Oui. Mej est là. Tu as été très proche d'Alpha Blondie. Tu étais là à la visite de Michael Jackson en Côte d'Ivoire. Tu as beaucoup d'anecdotes et puis beaucoup d'analyses à donner aux auditeurs. Oui, alors Moses, par rapport à Alpha Blondie, Bob Marley. Alors, Alpha, j'ai découvert Alpha Blondie grâce à Tonton Bouba qui est venu avec lui. Sur ma mère, du côté de Pougo, à Tikoji. 1982, début 82, Alpha arrive avec. Il était ce jour-là habillé de manière spectaculaire. Il avait une paire de souliers rouges avec un polo, avec une ceinture à l'époque. On avait les ceintures des militaires qui étaient en vogue. Quelle mémoire! Il n'avait pas les deux de l'autre. J'ai regardé Alpha Blondie droit dans les yeux. J'ai dit à Alpha Blondie, tu seras une grosse star.
No peace.
Nous allons passer maintenant à une étape importante de notre temps d'antenne, le top 5 des auditeurs. Elle vit à Rennes, dans le nord de la France. Bamba Mati est présentement en vacances à Abidjan. Je suis convaincu que cette chanson d'André Marie Tala lui évoque des souvenirs. C'est parti. Ouvre-tu, paysan, avec ton boubou neuf, ton chapeau bariolé, tes souliers éculés. Ouvre-tu, paysan, loin de ton beau village, où tu vivais en paix, près de tes caféiers. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Où vas-tu, étudiant, tout de neuf, habillé, ton blazer à la mode, ton pantalon plissé. Où vas-tu, étudiant, les regards conquérants, de l'essence, ton pays, ton beau bamiliqué. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Par la Mifi et l'Undé, de Banjun à Bafia, je vais chercher là-bas une vie meilleure. Où vas-tu, demoiselle, tes beaux cheveux tressés, sous ton fichu doré, et pas très rassuré. Où vas-tu, demoiselle, sur cette route longue, qui s'en va vers le sud, un pays inconnu. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Où vas-tu, donc chauffeur, dans ton car cabossé, chargé à tout casser, les ressorts fatigués. Où vas-tu, donc chauffeur, sur ce soleil brûlant, roulant à toute vitesse sur les pistes d'Undé. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Par la Mifi et l'Undé. Voilà, donc vous suivez le top 5 des auditeurs. Nous allons passer à la deuxième chanson que nous dédions exceptionnellement à Marie-Catherine Kouassi pour dire bravo à notre champion Victor Emmanuel, le fils de MCK qui vient de réussir à son bac, le bac D, et nous allons écouter Célimène. Rivers of Babylon. À l'attention de tous les jeunes Ivoiriens, Africains, dont le rêve est d'aller à Babylone, de l'autre côté de la rive, éviter l'aventure sans lendemain, par le désert et la mer, votre pays a besoin de vous. Rivers of Babylon. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we went.
cette belle chanson Ngalula est dédiée à toutes les braves femmes de l'allocodrome de Cocody, le bon alloco de Côte d'Ivoire et d'Atiéké qui sont devenues des marques pays comme la Tour Eiffel à Paris et la Statue de la Liberté à New York, donc Ngalula Mal. Le top 5 aujourd'hui, c'est une chanson dédiée à une belle voix. La chanteuse est belle, comme son nom l'indique, c'est tout simplement Nayaka Belle. Voilà, avec la belle Nayaka Belle et le top 6, la chanson qui va suivre de Bob Marley à la demande du docteur Prévost Olivier qui est à Abidjan. Donc, pour faire plaisir à notre auditeur, docteur Prévost, nous écoutons. America.
C'est vraiment quelque chose de très important pour les jeunes qui nous écoutent. Michael Jackson, après enquête, après de sérieuses enquêtes scientifiques, dans sa quête de retrouver ses origines africaines, a eu la preuve indiscutable selon son ADN que ses origines étaient ivoiriennes et que ses ancêtres avaient été déportés de la Côte d'Ivoire, précisément à partir de Kringiabo. Alors Boula, le boulevard, il y a une étape de notre émission qui nous tient beaucoup à cœur, les plus belles voix. Qu'est-ce que c'est? Mais les plus belles voix sur Cocody FM, la 98.5, pour ceux qui nous ont déjà entendus et écoutés sur les précédentes émissions, nous avions donc déjà, dès la deuxième édition, lancé le concours Les plus belles voix, qui s'adressait directement aux jeunes âgés de 18 à 25 ans. Et donc le message, il est très clair. Vous avez une voix pure. Vous avez une voix singulière, une voix exceptionnelle, vous avez une voix magnifique, vous avez une voix unique, vous avez tout simplement une très belle voix. Alors inscrivez-vous en faisant quoi? Vous enregistrez votre si belle voix sur une chanson qui peut être une chanson dont vous êtes l'auteur ou le compositeur, ou dont vous êtes simplement l'interprète, ça peut être la chanson d'un auteur connu. Et vous vous faites accompagner d'un instrument de musique. La guitare. Par exemple, la guitare, l'acoustique, le piano, l'orgue, comme vous voulez. C'est selon votre sensibilité musicale et les mélodies que vous voulez interpréter. Donc, vous nous transférez cet enregistrement par WhatsApp au 07 89 55 11 13. From mental slavery, number two cells can free our mind. Whoa, I've no fear for atomic energy. Nous allons, pour notre coup de cœur ce soir, écouter Angelica Allé. C'est parti. You're broken down and tired of living life on a merry-go-round, and you can't find the fighter. Wow. But I see it in you, so we're gonna walk it out. Ooh.
La production a déjà enregistré à ce jour trois prix essentiels. Il y a le MCK, le prix MCK de Cocody FM. Il y a le prix ISA, l'Institut supérieur de l'audiovisuel de M. Soumaoro Alpha Yaya. Il y a le prix du domaine des Oliviers de M. Boulou Olivier, papa dynastie comme on aime à l'appeler. Et voilà, ces prix représentent, nous ne vous donnons pas l'enveloppe parce que nous n'avons pas arrêté la liste de donateurs jusqu'à ce que nous faisions la première présélection. Nous pourrons vous annoncer déjà des enveloppes de façon concrète. Nous allons tout près dans un pays voisin, au Ghana. Donc c'était notre deuxième coup de cœur. Hein, nous sommes en train de parler du concours Les Plus Belles Chansons. Voilà, deux jeunes fillettes, j'allais dire, à peine âgées de 10 ans. Celle que vous venez d'écouter tout près au Ghana. Reniel Aboj, j'espère que je prononce bien, a été première finaliste de l'émission de télé-réalité Adom TV, n'est-ce pas, au Ghana. Vous avez un dernier mot concernant les plus belles chansons du monde. Ben, les plus belles chansons du monde, c'est une très belle aventure qui commence maintenant avec les auditeurs de Cocody FM sur la 98.5. Et nous saluons donc tous les auditeurs qui sont restés scotchés à cette émission durant ces deux dernières heures depuis les trois premières semaines. Et nous voulons qu'ils nous accompagnent dans cette aventure jusqu'au bout. On se retrouve le dimanche prochain, même heure, même fidélité. Bonne soirée dominicale chez vous. Les plus belles chansons du monde. Les plus belles chansons du monde, une émission de Soumaoro Alpha Yaya sur Cocody FM 98.5. C'est chaque dimanche à 21h sur Cocody FM. Je suis marinero, je suis capitaine.